Ah, donc c'est pas un métamorphe, ok, ratatac. Et on commence avec une petite fantôme, mesdames et messieurs, la fantôme. Hey, salut tous les amis, c'est David Lapache Pokémon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien, ça super. Mes chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 100 boosters Pokémon Go. On n'est pas là pour rigoler, je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus, ça me fait extrêmement plaisir, vous le savez. Abonnez-vous pour ne plus en louper. Et on va partir pour ces 100 boosters Pokémon Go en 4 parties, mesdames et messieurs, de 25 boosters. C'est parti pour la première partie. Ok, mesdames et messieurs, nous allons sélectionner les 25 boosters. C'est juste énorme d'avoir autant de boosters. Donc je vous le dis, hein, tout ça, ça m'a coûté environ 700 euros. Hein. C'est gigantesque, c'est extrêmement cher les boosters Pokémon Go. Je pensais pas que c'était si cher que ça. Alors évidemment, on a de l'Elite Trainer Box, du coffret noix de coco, du coffret Evoli Radieux. On a un petit peu de tout, hein, je vais pas vous mentir. J'essaie de prendre un petit peu de tout. Voilà, histoire de varier les coffrets, de varier les plaisirs, quoi, en bref. Hein. Allez, les 25 boosters sont juste ici. Hop là, et c'est parti, on va mettre les autres sur le côté. Et donc du coup, évidemment, on veut le Tortank Radiant, le Dracaufeu Radiant, le Florizarre Radiant. Ça va être exceptionnel, je crois, d'avoir le Dracaufeu. Et évidemment, il y a, je vois, le Mewtwo Gold, Mewtwo Fantôme, Genesec Fantôme, Dracolos Fantôme. C'est vraiment des très grosses cartes. Et petit coup de cœur pour le petit Mewtwo alternatif. Et donc c'est parti, mesdames et messieurs, j'avais trop hâte. Je compte vraiment sur vous pour faire exploser la barre des pouces bleus. C'est vrai, je vous ai pas dit, mais il y a un petit concours Instagram. Donc ça sortira à la 4ème partie. Pour liker, s'abonner et partager la vidéo, ça passera sur mon Insta. Il y a un booster à gagner par partie. Donc au final, il y aura 4 boosters Pokémon Go à gagner. J'espère que ça vous fait plaisir. Et donc du coup, on peut y aller. C'est parti, let's go. Alors les concours se passent dans les stories Instagram. Au cas où, vous avez un onglet, concours Instagram. Sur mon Insta, donc n'hésitez pas à les checker. Et on commence déjà avec une petite carte noire et c'est parti, premier booster, mesdames et messieurs. Ça me fait extrêmement plaisir, j'avais hâte d'ouvrir cette série et on a Ratatak. J'espère vraiment qu'on va avoir du coup des grosses cartes, mais surtout une métamorphe aussi, les cartes qui se décollent, j'ai trop hâte. Allez, j'espère qu'on va faire une grosse ouverture, vraiment. Allez, capitaine d'équipe Spark, moi je suis team jaune. Vous êtes quel team dans les commentaires? Team jaune pour ma part. Carabas, Ambrilex dessus, juste magnifique. On a Natu, Capidextre. On reverse, on a, donc c'est pas un métamorphe, ok, ratatac. Et on commence avec une petite fantôme, mesdames et messieurs, la fantôme, pour commencer cette ouverture. Capitaine d'équipe blanche qui tombe, et bah ça commence extrêmement bien. Ça me fait extrêmement plaisir de commencer cette vidéo comme ça, voilà, ça c'est... Ça c'est bien, donc c'est pas une carte courte chose, mais évidemment je vais essayer de faire le full set Pokémon Go et je suis déjà en régalage, ça me fait super plaisir. Commencer par une petite fantôme, ça c'est de la bonne vidéo, ça fait plaisir. Et on continue, ça régale, ça vraiment ça régale. C'est amusant, oui. Commencer directement par une fantôme. Allez, 3, 4, 1, 2. J'espère que vous aussi vous avez ouvert du Pokémon Go, j'espère que vous avez le fameux Dracaufeu. Moi j'ai vraiment hâte d'avoir la triplette, j'espère que je vais l'avoir en son booster. Allez, Natu, Capidex, Energy Vesta, Infect, capitaine d'équipe, Flagados, magnifique carte Pokémon Flagados. On a le Castorno avec Easter Egg, du coup quand tu prends un Pokémon en photo, il y a Castorno qui se rajoute dessus sur Pokémon Go. Et on a le Dracaufeu holographique. Oh là là, je sais même pas qu'il y a un Dracaufeu holographique. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Magnifico. Ça c'est de la belle carte, ça régale le soleil sous protège carte. Allez, c'est parti. On pense que le Dracaufeu holographique est une des cartes qui apprend aussi de la valeur, on va pas se le cacher. Le petit code, tac tac tac. Je vous montre même pas le code en entier, c'est pas très grave. Au pire, je vous défilerai en stream ou les packs tous les soirs, nous sommes en stream sur Twitch à partir de 19h, mesdames et messieurs. Je vous attends avec grand plaisir. On a Pochige, Ratata, Sofkipu, Pikachu. Oh, j'adore cette carte Pokémon Go. La collection Pokémon Go est très sympa. Migalos, super bonbon. Le Vénard, magnifique également. Carapuce, Melton en reverse. Oh, il y a une ultra derrière. Et on enchaîne avec une petite V Monaflimite. Monaflimite en V qui est très très belle, mais c'est pas évidemment une grosse carte. Mais il fallait l'avoir au moins une fois. Alors on verra si son booster ça suffit, mesdames et messieurs. J'espère que ça suffira parce que je vous ai dit, j'ai dépensé environ 700 euros pour tous ces coffrets et tout. Je trouve ça extrêmement cher. Voilà, j'espère qu'on va avoir toute la collection. Ratatak, c'est important de parler des prix, de parler du budget, tout ça. Vraiment, j'aime bien parler de ça avec vous. Hein. Énergie électrique, Camerupt. Incubateur. Ah, devinez combien j'ai fait éclore d'œufs sur Pokémon Go, je les montre en stream, n'hésitez pas à me dire. Je vous le dis, indice, c'est plus de 1000 œufs. Incubateur d'œufs et Pikachu holographique. Très bien, on dirait la carte promo qui est offerte quand t'achètes les coffrets. Bizarre cette histoire. Allons, continue. Allez, bon, franchement, la carte que je veux absolument, c'est Dracaufeu. Je vous le dis, c'est Dracaufeu Radiant et le Mewtwo Gold. C'est vraiment les deux cartes qui m'intéressent le plus. Après, je ne connais pas du tout les codes. Je ne sais pas combien valent ces cartes, peut-être que ça s'affichera à l'écran. J'en ai strictement aucune idée. Le Vénard, on a du coup Chamallow en reverse et Tyranocif holographique.
Donc si j'ai bien compris, on a forcément une holographique par booster, donc ça c'est sympathique. Et je vous le dis, je le colle, mais je pense que Pokémon Go est une série de cartes Pokémon qui va coter énormément par la suite. Je pense que c'est une série qui va vite coter. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà, je vous le dis. On a un petit Pochige, Magikarp, Meltan et Body. Pikachu, les cartes sont très très belles. Vraiment, je le répète, mais les cartes sont vraiment très très belles. Super bonbons, Déflaisant, Camerupt. Elles ont un petit charme. Et le fait qu'il y ait le logo Pokémon Go, ça régale. Le petit logo Pokémon Go ici, on n'a pas ça normalement. Et l'euphorie holographique, très belle aussi. Allez, on continue. On va enchaîner. Le but, c'est de faire 4 parties de 25 boosters qui passent assez vite. Vous passez du bon temps devant mes vidéos. Voilà. Et d'ailleurs, je vous remercie encore pour tout votre accueil sur tous les réseaux sociaux. Et la reprise est officiellement faite, hein, mesdames et messieurs. Maintenant, on se lâche plus et on kiffe. Pokéstop, Migalos, Super Bonbon, Colombo. Et encore le Pikachu holographique. Donc on va voir si cette série est difficile ou pas. Je me suis spoilé aucune vidéo. Je me suis pas spoilé. Je voulais vraiment tout kiffer avec vous quand je reprenais. J'espère vraiment qu'on va avoir de la chance. Après, on a commencé par une fantôme, hein, mais c'est pas suffisant. On espère quand même avoir une petite foulard par-ci par-là. Il y a également le Metal foulard qui existe, qui est incroyable, je crois, il me semble. Et Nymphaï holographique. Très très belle aussi holographique. Très très sympathique holographique. On est quasiment déjà à la moitié de l'ouverture. Ça va super vite. En vrai, je suis content. C'est un bon rythme de vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est assez vite ou pas pour vous. Je sais qu'il y en a qui prendront le temps. Ça fait plaisir ceux qui prennent le temps de répondre à mes questions, tout ça. Vraiment, sachez-le. Et on a Castorno, Mimigal. Par contre, oh attendez, j'ai même pas fait gaffe parce que j'ai une carte métamorphe. Oh, j'ai même pas fait attention. Salamèche en reverse, magnifique. Et Articodon holographique. J'ai même pas fait attention si j'avais un métamorphe. Mais je crois que j'en ai pas eu, hein. Je l'aurais vu en vrai. Oh, j'espère qu'il y en a pas eu. Oh, sérieux, il y aura un petit flashback. Oh mon dieu, Mimigal. Oh non, j'ai pas fait gaffe. Pochigeon, Bulle Bizarre, Énergie Métal, Impact, Capitaine d'équipe, Reptincelle. Le Dracaufeu Shiny, oh il est incroyable avec le logo Pokémon Go, il tombe directement, magnifique. Et juste derrière, le Dracolos. Oh là 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 là. Quelle masterclass. C'est quoi cette ouverture? C'est quoi cette ouverture, mesdames et messieurs? Je compte sur vous vraiment pour laisser votre petit like et un petit commentaire qui les gars, j'espère vraiment que vous kiffez. Parce que là vraiment, on est sûr de l'ouverture de qualité. Oh ce booster. C'est le meilleur booster quasiment. Dracaufeu Radion plus Dracolos Foulard. Ça tue. Ça la méchant. Oh Dracaufeu Holo Reverse. Oh là là, mais il m'est tapé. C'est incroyable. Et évidemment Dracaufeu Reverse sera à mon avis une très bonne carte aussi. Oh là 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 là. Mais c'est une bonne vie ce qui se passe. Mais c'est une réelle, c'est pas real là. C'est une réelle. Alors cette ouverture, je prends vraiment mon pied, hein. Alors là franchement ça change de Star Étincelante et Astro Radio où on galère à avoir des ultra rares. Là on se met bien. Alors est-ce que j'ai beaucoup de chance ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que pour vous aussi c'est comme ça? On verra sur les 100 boosters. Mais je suis déjà rassuré d'avoir un Dracaufeu. J'espère en avoir plusieurs. Je pourrais peut-être les revendre aussi pour me racheter des cartes. Et le Dracaufeu Reverse encore. Très bien. Et moi de coco d'Alolavé. Donc notre coco, j'en ai eu pas mal des... Pas mal de promos avec les coffrets, hein. Vraiment, on est là. Donc, double booster, Dracaufeu holographique, que je considère comme une très bonne carte, et une petite V. C'est une masterclass ce sera en train de se passer là, vraiment. Hein. C'est magnifique, hein. Franchement, le drop est génial. Hein. Le drop, c'est que du régal. Vraiment, Pokémon Go, série au top. Hein. Série au top. Après, on va voir si on va facilement avoir toutes les autres radiantes. Est-ce qu'on va avoir un Dracaufeu en son booster? On va voir ça tout de suite. Énergie métal, incubateur d'œufs, déflaisant, Solarock, Dracaufeu Reverse encore. Bah. Et Draco de V, alors par contre sous-côté les V, hein. Qui dans le chat, qui dans les commentaires est d'accord pour dire que les V sont sous-cotés? Vraiment, hein, c'est sous-coté, hein. C'est sous-coté, hein. Vraiment, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Et encore un Dracaufeu, Holoriverse, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors on continue tranquillement. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
J'ai pas envie que la vidéo dure très très longtemps non plus pour vous, mesdames et messieurs. Ranolos, Magikarp, mais faut que je prenne du plaisir aussi, c'est le plus important. Je vais pas vous cacher, énergie métal, le Vénard, oh là 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 là, le Tartan Grievers, magnifique. Je ne savais même pas qu'il était en holographique, il ronflait que holographique, mais cette série est incroyable. Mais cette série est magnifique. Je vous le dis, pour l'instant, c'est ma série préférée de 2022. Voilà, pour l'instant, devant Star Étincelante, devant Astro Radieux. Pokémon Go est largement devant, mais c'est magnifique. Mais la série est magnifique. Sincèrement, pour l'instant, c'est un bon 9,5 sur 10. Hein. Hâte de voir les autres ultras, mais on va frôler le 10 sur 10 pour moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. À mon avis, hein. Je vous le dis. Ambrilex, Natu, Capidex, Ramolos, Énergie Plante, Impact, Capitaine d'équipe, Carabaf, Mimigal, le petit... Oh là là, mais cette carte est très belle. Cette carte est très belle. Ramolos en reverse. Et Monaf Limit V qui est déjà tombé. Alors, je vais me faire le full set reverse. Et vraiment, je vais me faire un full set. Hein. Ah, mais c'est magnifique. Ah, je vous dis, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour cette série. Et franchement, on va se mettre bien. On a 4 vidéos de 25 boosters. Bon, après, j'espère, je vous offre qu'un booster par partie. Ça fait 4 boosters. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai fait ce que je pouvais. Hein. J'ai quand même un budget limité. J'ai besoin de votre soutien sur YouTube et sur Twitch, tout simplement. Mais quand ça marchera un peu plus, c'est magnifique. J'essaierai de vous offrir plus. J'espère que ça vous va. Du plus profond de mon cœur, j'espère que ça vous va. Un booster, ça fait 4 boosters en tout. J'espère que ça vous va. Voilà. L'euphorie en reverse et Ronflex encore holographique, magnifique. Je surkiffe en tout cas cette série et vraiment on va prendre beaucoup de plaisir. Il va y avoir 4 vidéos et franchement, je vous le dis, je suis très heureux d'avoir repris Twitch et YouTube parce que vraiment les séries en plus de cartes Pokémon sont magnifiques et je suis content parce qu'on rattrape tout. Il y a Astro Radio, il y aura bientôt son booster et après on sera à la page. Xatu, Ratata Dolola, ah, mais c'est magnifique ça aussi. Hein. Ratata Dolola et Sulfur holographique, magnifique. Alors par contre j'ai, bon bah, Métamorphe, je crois qu'on en a pas eu, mais est-ce que c'est rare d'avoir une carte Métamorphe? Parce que ça se trouve j'en ai eu, j'ai pas fait attention, je ne sais pas. Écoutez, au pire on verra ça dans la partie 2, dans la partie 3, c'est pas très grave. Pochigeon, j'ai vraiment pas fait gaffe, et c'est que à la place des rivers, c'est ça? Pikachu, je me suis vraiment pas spoilé, comme je vous dis, je voulais tout découvrir avec vous, vraiment, tout découvrir avec vous. La Sulfura, mais là c'est pas Métamorphe ça, non? Et Tortancolo, on l'avait pas eu, magnifique. Mais non, j'ai pas eu Métamorphe en fait. En fait le Métamorphe c'est rare. Je me pose des questions avec mon vidéo, hein, évidemment. Je ne sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je sais pas du tout. Sincèrement, je sais pas. Ambrilex, Capidex. J'aurais bien voulu en avoir une quand même. Hein. Oh, j'espère qu'en sans booster, j'en avoir une quand même. Attendez, c'est pas possible. Nigalos, Stylix, Sulfurant Reverse. Magnifique aussi, putain. Et Tyranossif. Holographique, excusez-moi. Allez, on est quasiment à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, c'est magnifique ce qui se passe. Très content. Alors, on tombe déjà grâce au feu. Ça veut dire qu'on peut faire une masterclass, en avoir plusieurs. Et ça me plaît énormément. Moi, si j'aponique, j'adore quand ça se passe comme ça. Franchement, ça, c'est des ouvertures de rêve pour moi, tu vois. Ça me fait plaisir. Arrête, français. Super bonbon, Natu. Et oh là là, il y a des VMAX. Là, je ne savais pas. On a quoi en VMAX? En VMAX, on a. Et bon, on n'en a qu'une seule. Ah, on a la seule VMAX de la série qui est Main Metal VMAX. Alors, par contre, je comprends rien à la carte. Ah oui, d'accord. Ok, la seule VMAX de la série, on prend Main Metal VMAX. On prend, mesdames et messieurs. On est bien. On est très très bien. Franchement, on est très très bien. On est bien. Là, tout est bien. Faut vraiment Inox Tag, vraiment c'est abusé. Tu m'as mis ça dans la tête, frérot. C'est abusé. Allez, Onyx. Castorno. C'est Castorno. J'ai enlevé la moitié du paquet. Bon, on verra jamais ce qu'il y a ici. Camiroute. Oh, mais qu'est-ce qui se... Mais les cartes, elles collent. Les cartes, elles collent. What? Ah oui, alors attendez, j'ai un petit problème. Ça, je vais les mettre là sur le déco et je vais voir après ce qui s'est passé. Les cartes collent de fou dans ce booster. Oh, par contre, si je ne dis pas qu'il y a encore des jeux où il y a des boosters ou des cartes qui collent et tout. Non, mais ça, faut arrêter. Hein. Non, mais ça, vraiment, faut arrêter, stop. Hein. Ça coûte trop cher, vraiment, non, c'est abusé. Evoli, ça, là, mais je sais quand même, et c'est mon métier, je sais pas défiler les cartes, un hein, but bizarre. Je suis en malo. Bien sûr que je sais pas défiler les cartes, capitaine d'équipe Candela. Stylix en reverse, mais non, mais je ne rigole pas. Le tricot holographique pour encore. Je vais en faire un petit stock de ça et j'essaierai de vous en offrir quelque part, peut-être pour Noël, je ne sais pas. Magnifique. Magnifique, par contre, vraiment, Métamorphe. Ou soit, je n'ai pas compris le concept. Ça se trouve, je n'ai pas compris. Hein. Ça se trouve, je n'ai pas compris, je n'ai jamais eu de carte Métamorphe. Hein. Je pensais vraiment que ça tombait tous les 5-6 boosters, tu vois. Je suis vraiment à la ramasse en fait, c'est abusé. Vraiment. Pierre Bizarre, Déflaisant, capitaine d'équipe blanche, Mimigal. Voilà, la deuxième gold qui tombe. La deuxième gold. Mais c'est fou ça. Mais c'est fou,
à 87 sur 78. C'est magnifique avec le logo Pokémon, le logo Pokémon Go. Et c'est l'incubateur d'œufs, magnifique. Mais c'est quoi cette ouverture? Attendez, mais c'est ouf. Oh, mais c'est dark en s'embouchant, on va peut-être avoir la fin de collection. Et ça, c'est bon. Par contre, je me régale, hein. Vraiment, je me régale, mesdames et messieurs. J'espère que vous aussi, vous passez un bon moment devant cette vidéo. Parce que là, je me mets extrêmement bien. Car, bah, il y a un petit motisme derrière, d'ailleurs. Non, pas du tout, c'est moi qui dis des bêtises. Low class, quelle beauté cette carte. Et Sarmurai que j'ai sur Pokémon Go en 100%. J'en sors du rail 100%, voilà, je m'en vante. J'ai un petit saut qui fout au moment où il y avait plein de sauts qui fout. D'ailleurs, vous serez chaud pour avoir des... Est-ce que vous seriez partant pour avoir des vlogs Pokémon Go sur la chaîne? Ça vous plairait ou pas? Parce que vraiment, je joue tout le temps, je joue tous les jours, hein, je joue vraiment une fois par jour au minimum. Et ça me plairait de faire des petits vlogs. Moduleur, Reptincelle, Camerupt, mais j'ai pas eu une carte métamorphe. Et Hector, je n'ai pas eu une seule carte métamorphe, mesdames et messieurs. Et je vous fais le récap, je comprends pas. Est-ce que je... Bah dites-moi en commentaire si j'ai loupé, peut-être qu'au montage on mettra un moment où je l'ai eu et j'ai pas fait gaffe. Alors vraiment, on est bien, mais attendez, c'est pas non plus si incroyable. Attends, si, j'abuse, je suis un penseur. On a quand même eu pas mal de choses. Bah on a eu Dracaufeu aussi, j'ai l'impression vraiment que cette série n'est pas si simple que ça. Hein. J'ai l'impression que c'est pas si simple que ça, que j'ai eu beaucoup de chance. Ou soit j'essaie de me rassurer, j'en ai strictement aucune idée. Mais attendez, j'abuse. Allez, regardez-moi ce récap, incroyable. On a eu du coup en 25 boosters, incubateur d'œufs en gold, donc on a eu une seule gold, sachant qu'il y a également la Mewtwo Gold, le moduleur. On a eu une fantôme sur 7 fantômes, la capitaine d'équipe blanche. On a eu, mais c'est, je suis heureux, je suis trop heureux de l'avoir et j'espère qu'on le réaura. Ça serait une masterclass. Le Dracaufeu radieux, une foulard, alors qu'il y en a vraiment pas mal, Dracolos. Parce qu'en 25 boosters, ça n'a qu'une seule foulard. En 100 boosters, on en aura 4. Alors qu'il y en a plein, ça va être compliqué. Melmetal VMAX, des petites V, mesdames et messieurs. Et les Dracaufeu, Tortank, holographique, tout ça, Reverse. Ça fait plaisir. Franchement, je pense qu'on a eu plutôt une bonne pioche. Donc ça fait 4, 8, 10 ultras, dont vraiment 4 ultra rares masterclass. Hein. La fantôme, la gold et la foulard et le Dracaufeu radiant. Par contre, vraiment, je pense que c'est pas si simple que ça. Vraiment. On va voir. On verra dans les 3 autres parties. Je compte sur vous pour faire exploser la barre des pouces bleus. Abonnez-vous, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que vous avez un petit booster à gagner. Le concours se passera sur Instagram. Faut liker, partager cette vidéo. Et bien sûr, être abonné à la chaîne YouTube. À la 4e partie, je vous mettrai les 4 boosters à gagner en story Instagram. Et n'oubliez pas que vous avez encore un concours en cours pour gagner 8 boosters Star Étincelle. Évidemment, tout se fera en direct sur Instagram. Je vous enverrai tout ça. Bref, le petit pouce bleu. Abonnez-vous. J'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis.